jeune princesse, comment? Si t'as du bif, pense à la mif, pense au pays, pense à l'Afrique. Si t'as du bif, pense à la mif, pense au pays, pense à l'Afrique. Si t'as du bif, pense à la mif, pense au pays, pense à l'Afrique, pense à tes amis, pense à tes grimlis, pense à tes ennemis, pense à tes défis. Ne pense pas à rester là, pense à ce qui est bien pour toi, tout ce que t'as fait pour nous. Bienvenue sur Nouguet TV, bienvenue sur Nouguet Actu. Aujourd'hui, l'actu se trouve à Toulouse dans ce studio d'enregistrement musical qui s'appelle Rimshot à Toulouse pour découvrir le nouveau single de Bezly du Dehors et Princesse Bridget. Alors, Princesse Bridget, c'est une nouvelle venue dans le monde musical qui aujourd'hui s'associe à Bezly du Dehors, l'homme du Dehors, bien entendu, The Nigga from the Cameroon, comme il aime se faire appeler, pour offrir un single. Pense à l'Afrique que vous voyez ici devant moi. Ils ont envie de faire un don. Ils ont envie de permettre à certains enfants de voir un avenir meilleur grâce à ce single que vous pouvez télécharger légalement très bientôt. Nous allons les rencontrer parce qu'ils viennent juste de finir l'enregistrement. Vous allez savoir comment est née cette chanson, comment est née cette collaboration tout de suite sans bouger. Restez connectés sur Nouguet TV, bien entendu. Toi pour le school, pour la monnaie, pour la graille, pour la petite, toi tu sais comment ça se passe. Une bière, un poisson brisé, man ils sont trop trop OP, faudra les mettre bien dopés. Yeah. De retour parmi nous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je vous disais tantôt que nous sommes dans ce studio des Minimes pour rencontrer l'homme Bezly du Dehors et Bridget Princess pour ce titre qu'ils vont promouvoir, Pense à l'Afrique. C'est un titre, je pense, qui va parler à beaucoup d'entre vous et à beaucoup d'entre nous, bien entendu. Bonjour Bezly, bonjour Bridget. Bonjour. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui parce que vous venez de finir à l'instant l'enregistrement de ce titre que nous entendons en fond sonore. Ouais. Comment est née l'idée d'une collaboration pour tous les deux? Avec Bridget, ça fait un moment qu'on s'est vu une fois. C'était un concert. Oui. C'était le concert de Colonel Riel en Belgique. D'accord. Donc, on s'est rencontrés et on s'est dit, on va essayer de trouver un moment, un son qui peut nous unir ensemble, sur lequel on va poser. Il y avait des similitudes au niveau artistique, tous les deux, déjà? Ce qui est bien, c'est parce que c'est une jeune fille talentueuse. Elle a à peine 20 ans. Et elle fait déjà des trucs bien, tu vois. Mm. Et elle fait du R&B, elle a beaucoup d'univers, elle fait du zouk, afro-pop. Moi j'ai kiffé. Ouais. Je me suis dit, bon, il faut qu'on collabore. Question de, tu sais, la vie c'est l'entraide. C'est tout pas à fait. Tout seul, on ne peut jamais construire Rome, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est là est partie l'idée de collaborer sur un son. Et voilà, aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de l'inviter pour cette collaboration. Très bien. Et comment s'est passée la construction de ce morceau justement? Disons que du Dehors, comme moi j'aime bien l'appeler. Ouais, l'homme du Dehors, n'est-ce pas? C'est plus la partie de son nom artistique qui m'intéresse, qui ouais, me plaît. Oui. Donc il m'a passé un coup de fil, il m'a dit j'ai une tuerie qui arrive, j'aimerais que tu poses dessus. Ouais. Tout de suite, j'ai même pas hésité. J'ai dit ouais. Ok, envoie-moi ça. Et deux jours après, j'avais déjà mon ticket pour Toulouse. J'avais déjà l'instru, les paroles et tout. Donc voilà comment c'est né. Je pense qu'il a eu une idée précise de ce qu'il voulait. Mm-hmm. Et parce que aussi, il avait un message à passer aux Africains et tout le reste. Tout à fait. Ce message-là de toujours penser à l'Afrique. Mm-hmm. Parce que parfois, on vient ici et on s'oublie. Oui. Donc, c'est un peu pour booster, pour réveiller nos frères et leur dire, voilà, pensez à l'Afrique, il y a des gens qui sont restés là-bas. Mm-hmm. Pensez à eux, pensez à la famille, pensez bien aux sûr. Amis, surtout quand vous avez du bif. N'est-ce pas? Même quand on est là-bas, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Tous les deux, vous venez d'Afrique. Vous, c'est du aussi Cameroun, une manière... les deux. Du Cameroun en plus, ouais, quel bon hasard. Donc, j'imagine que derrière ce titre, Pense à l'Afrique, il n'y a pas juste le fait de dire réfléchissez, réveillez-vous, pensez à l'Afrique. Il y a peut-être derrière une envie d'aider aussi à votre niveau. Bien sûr, parce que pour donner un message, il faut déjà contribuer. Tu ne vas pas dire aux gens, travaillez, toi tu t'affaires. Et toi tu ne fais pas, n'est-ce pas? Donc, déjà, nous,
individuellement, mm-hmm. il y a déjà le besoin de donner un coup de main. Mm-hmm. On a des grands frères, il y a des personnes bien placées, bien au gradé, éduquées, étudiées, qui ont des études, des diplômes, des bons boulots, des situations, mais qui n'ont pas vraiment la présence de penser à l'Afrique. Ils sont tout le temps en train de dire « Ouais, l'Afrique n'est pas bien, l'Afrique n'est pas bien. » Et chaque fois, dans les forums, dans les blogs, ça dit « Ouais, il faut qu'on construise l'Afrique, il faut qu'on ait l'Afrique, il faut qu'on passe ici. » Mais il n'y a personne qui ne fait jamais rien. En fait, ouais. Donc, c'est vraiment de dire « Faisons les choses. » Faisons les choses. Ne parlons plus, faisons les choses, parce que ce sera bien pour nous. Si tu oublies où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Toujours. Absolument. Et ça pourra mieux t'orienter vers où tu dois aller. Où tu dois aller. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Donc, nous avons ce titre qui va être mis dans les bacs à partir de quand? Quand est-ce que ça va être disponible, Pense à l'Afrique? Il sera disponible en vidéo déjà à partir de octobre. Oui. Je suis parti pour le 5 octobre. Oui. La date n'est pas encore forcément définie. D'accord. Mais c'est pour octobre. Mm-hmm. Maintenant, sur les plateformes YouTube, Facebook, je pense que le single va déjà tourner à la fin du mois. D'accord. Et il pourra avoir un téléchargement légal? Ça, c'est encore à voir. C'est encore à voir en fonction de comment est-ce que les choses vont se dérouler. Oui. Toute l'équipe qui est derrière, sur quoi on va statuer. Parce que Bestie du Dehors mm-hmm. n'est pas seul. Oui. C'est une grosse production, équipe, hein, une grosse équipe derrière. Mm-hmm. Et même les décisions sont... Elle prendra à plusieurs. Ouais. D'accord. Unité de boss. Bridget is the boss. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs, Bridget. Est-ce que ça signifie que tu as intégré unité de boss? Bien sûr. Ça y est, tu es une. Bien sûr. Voilà, ça se voit. Hein. Ah oui, là, oui. Rien voilà, à dire. J'ai intégré unité de boss et je suis contente d'être parmi eux. Mm-hmm. Voilà. Alors, on va rappeler quand même que tu es aussi chanteuse. De ton côté, oui. Même si tu vas intégrer solo. Ces chansons en groupe, solo. Oui. Et tu as sur le marché un single en ce moment qui tourne. Oui, j'ai un single que j'ai sorti le 12-12-2012. Voilà, justement pour la petite histoire. Et c'est justement le jour de mon anniversaire. Donc tu es né un 12-12. Un 12-12. Pas 2012. Donc j'ai enregistré ces chansons les vacances l'été dernier. Oui, il y a un an. Donc j'ai fait écouter à plusieurs personnes qui m'ont dit bah, « c'est bien ». Pourquoi ne pas sortir ça sur le marché? J'ai dit, ok, ça va, je vais le faire, mais il faut que je choisisse une date qui va marquer les donc, gens et peut-être porte-bonheur. Oui, à partir de cet été-là, j'ai commencé à faire la pub et tout. Ouais. Les gens étaient, on attend. Et quand c'est sorti, ça a vraiment été une réponse positive du public. Donc, C'est le premier single qui sort. C'est le premier single tout premier, officiel. Ouais. Et le titre, c'est Je l'aime. Je l'aime. C'est un afro-zouk. Un afro-zouk pour construire un peu tout ce que tu as vécu depuis combien d'années? Depuis que tu es au monde. Oui. Je l'aime, tu peux dire je l'aime à ton partenaire, à ta maman, à bien ton sûr. Père, à ton partenaire. Comme oui. La musique, à. Bien sûr, à voilà, personnes. Il faut toujours penser à dire. À la personne qu'on aime, qu'on aime. Alors, j'ai cru comprendre que tu n'es pas définie dans un style, c'est-à-dire que tu ne fais pas que du zouk, non. Tu es aussi dans l'afropop. Comment on appellerait le rythme que vous avez fait là? Je pense que c'est vraiment un mélange. Je crois qu'on a suivi on a suivi la tendance. Mm-hmm. Parce que de nos jours, tu vas voir un mélange d'un dombolo, d'un zonto dans une chanson. Oui. Donc là, moi, je vois d'un dombolo, de la zonto et du kizomba. D'accord. Et oui. Très cosmopolite aussi c'est et à l'image du monde dans lequel on vit. Quoi, exactement, c'est très mélangé. Donc on ne saurait pas classifier cette chanson dans un style musical, mais c'est dansant. Oui, c'est très dansant. Ouais. En entrant dans le studio tout à l'heure, ben nous, on est partis déjà. Ouais. Et on valide ce titre, bien entendu. Dès qu'il est en vente, franchement, on invite tout le monde à se jeter dessus parce que ça vaut le coup. Oui. Pensons à l'Afrique. C'est un titre très bien. Je trouve aussi, il porte... On se mémore ça rapidement, en plus. Hein. Oui, hein. Pense à l'Afrique. Et, alors, les prochains projets de Bridget Princess, à côté de Pense à l'Afrique. Ah, mes prochains projets, en fait, j'ai un single sur lequel je travaille encore. Encore, mm-hmm. Et pour l'instant, je suis plus sur scène à des beaucoup événements. Beaucoup de scènes, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de scènes. Hein. Comment ça se passe d'ailleurs, ça? Ça parce se passe que... bien. C'est vrai que j'ai très bien j'ai accueilli. Tout le temps les scènes parce que j'ai dans le train et tout. Oui, toujours en train de bouger. Ça se passe bien. Il y a plus de demandes et ça me fait d'accord, plaisir. Ça montre que les gens apprécient ce que je fais et qu'ils mm-hmm. m'encouragent. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc bientôt un album? Un album l'année prochaine. L'année prochaine. Mais cette année en décembre encore.
prévois de sortir un single et je crois que je commencerai la promo au Cameroun si tout se passe bien. Oui, ah, mais ça c'est bien de retourner aussi sur la terre des ancêtres, comme on dit, oui, voilà. Pour essayer de présenter ce qu'on fait. Exactement. Mm-hmm. Ouais, donc il y a de la demande. C'est ce que j'allais dire. Pas pour me vanter, mais beaucoup de gens me disent pourquoi tu viens pas prochainement. Oh, j'arrive. J'arrive et puis donc, voilà. Voilà, j'espère qu'en décembre, ce sera l'occasion d'aller présenter ce que je fais. Mais est-ce que tu n'as pas peur que justement les Camerounais qui sont peut-être en train de se dire il faut qu'elle nous amène un Makossa ou un Likoutsi, envoyer un Zouk, je ne sais pas. Non. Tu n'as pas cette appréhension. J'ai ça parce que plusieurs personnes me disent, disons des personnes plus âgées que moi. Bien sûr, bah oui. Je fais pas Likoutsi, quelque chose de traditionnel. Je me dis, ok, ça va, mais je suis un peu ma génération, je suis ce que j'aime. Ta culture aussi, voilà, je suis ma culture, que tu as vécu. Je suis mes frères et sœurs. Donc voilà, je fais ce que j'aime. Si j'aime pas ce que je fais, je ça pourra pas le faire. Autres, voilà, d'accord. À aimer. Donc voilà, je fais ce que je pense bien. Très bien. Alors, je vous invite à ne pas bouger de votre fauteuil. Nous allons continuer dans quelques minutes. Le temps pour eux de refaire quelques prises de voix. One more time, je reviens encore. Pour te dire que je suis trop fort. Trop hardcore, sale que la mort. Je crache des vérités comme Hector. J'ai vu des gars forts rester en euros. Passer le temps à crever en euros. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils sont perdus à l'outre-mer. Si tu oublies d'où tu viens, rappelle-toi où tu vas. Si tu oublies où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Si t'as du bif, pense à la mif. Pense à tes enfants, pense à l'Afrique. Pense à ceux qui s'attendent de toi. Pense à ce qui est bien pour toi. De retour ici au Rimshot Studio à Toulouse. Merci à vous qui nous retrouvez et puis merci à ceux qui sont toujours aussi fidèles pour Nougat TV. Alors nous sommes avec Bezli du Dehors et Bridget Princess. J'ai toujours du mal à dire Bridget Princess parce que je suis tentée de dire princesse Bridget. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une princesse cette jeune lady? Charmante. Déjà, toutes les femmes sont des princesses, il faut déjà le signaler. Merci, et je suis une femme, j'essaye de me reconnaître là-dedans, merci. Et encore plus Bridget Princess, charmante déjà au niveau du son, de la voix. Et en plus, elle adore du zouk, donc c'est du miel. Elle adore du zouk, donc c'est du miel. Mais aussi l'afropop, hein, ces influences et fusions que vous faites. Tu danses aussi ou... J'ai cru voir une vidéo d'ailleurs en parlant de ça. Oui, à la base, je suis danseuse. À la base, tu es danseuse. Je danse depuis toute jeune. Oui. Et voilà, il y a quelques années, j'ai décidé, pourquoi pas commencer à écrire des chansons pour moi. Et puis l'encouragement de la famille, des amis, j'imagine. La famille, les amis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas en moi, comme il a dit. Il faut croire en soi-même d'abord. Et moi, je dirais, comme quelqu'un de ma famille dit souvent, ils sont comme un mur. Voilà, ils n'existent pas. Je ne les vois pas. Tout à fait. Moi, j'avance. Ouais. J'essaie d'avancer comme je peux. Mm-hmm. Ce n'est pas facile, mais bon, du moment où tu as déjà fait le premier pas, le deuxième pas va suivre. Ainsi de suite. Et voilà. Tout à fait. Ouais. Ascension qui a été difficile à un moment donné, surtout à tes débuts. Ouais, c'est comme tout début. Comme tout début. Même un gosse pour apprendre à parler ou à marcher, bien ça sûr. Prend du temps. Tout il tombe, il se casse, il fait des erreurs et tout. Mm-hmm. Moi, ça m'a plus appris qu'autre chose. Et avec le temps, on a fini par comprendre que rien n'apparaît, mm-hmm. ça se crée. Et la création, c'est un processus de continuité mm-hmm. dans une fréquence imposée par la personne qui impulse le mouvement. D'accord. À partir du moment où il y a l'impulsion, mm-hmm. c'est sûr que la réaction va sortir. Tout à fait. Donc, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Surtout dans le milieu du hip-hop, rien n'est simple, j'ai envie de dire. Et tu as pu compter sur qui exactement pour justement t'aider à avancer et être où tu es aujourd'hui? Dans le hip-hop, rap, je ne vais pas dire grand monde, mais artistiquement parlant, dans la musique, j'ai eu plusieurs collaborations. Moi, j'appelle ça la famille. Mm-hmm. Je vais parler de Jonel TJ, tu dois le connaître. Bien sûr. Donc, il y a un fidèle Risky. De la première heure. Choitedo. Voilà. C'est beaucoup d'années. Baby Love aussi, non? C'est hein? Baby Girl. Baby Girl. Hein? Ça, c'est vraiment les débuts. Parce qu'avec Jonel TJ, quand on s'est rencontrés en 2000, si je ne m'abuse pas, 2008. Oui. 2008, oui.
On avait un studio à la maison, donc nous on habite. Le petit kiff entrepote, quoi. C'était toujours ça, et c'est comme ça que ça évolue. Franchement, niveau artistiquement parlant, j'ai eu une famille, j'ai pas eu d'amis. Mm-hmm. Je vais citer Jonel TJ, je vais citer Areski, je vais mm-hmm. citer Bakobi, tout ça sont mm-hmm. les membres du crew Unité de Boss. Ouais. Je vais citer Desordre, par exemple, qui était secondaire. Mm-hmm. Et voilà. Et on en arrive aujourd'hui à Pense à l'Afrique. La mixtape est toujours disponible. Toujours. Et préparation d'un album. Préparation les deux titres, les deux derniers titres que tu as fait, c'est-à-dire Choix tes dos et ce titre, apparaîtront dans le futur album ou comment ça se passera? Ma mixtape avait un concept. Moi, je suis en Europe, mm-hmm. je suis africain, je suis camerounais, mm-hmm. hein, mm-hmm. que ce soit clair. Mm-hmm. Même pour tout le monde, que ce soit clair, hein, gros. Donc, à cause de ces deux univers, je me retrouve dans deux mondes. Oui. Donc, je ne peux pas satisfaire un monde et laisser l'autre. Tout à fait. Donc, je suis perpétuellement en train de penser à l'Afrique et à l'Europe. Tout à fait. Ma mixtape, j'ai mélangé les deux styles dedans. Oui. Et j'ai eu un problème. J'ai eu le problème de mauvaise interprétation du public. Ah, genre, d'accord. Ils n'arrivent pas à comprendre yin-yang, le côté... Up and down, rouge et noir. Cette Donc, suite, cette fois-ci, j'ai décidé de séparer d'accord. Le projet Afrique. Tout ce qui est communauté black africaine et tout, mm-hmm. c'est dans un projet qui est en cours. D'accord. Donc, c'est le deuxième extrait. Tout à fait. Mm-hmm. Après Choix tes dos. Mm-hmm. Et parallèlement, dans le côté européen, ouais. qui est rap, hardcore, gangster, mm-hmm. hein, il y a déjà ma monnaie qui tourne. Ouais. Ouais. Hot, one hot, hot the clip. For my money. Ouais, j'aime All bien. These bitches wanna fuck me. Yeah. All these bitches wanna fuck me. That's it, nigga. D'accord. All the time, nigga. Non, mais c'est très bien de... Bah, je ne sais pas si c'est évident pour toi de séparer cette demande dans la mesure où ça fait partie de toi, mais bon, je peux comprendre que tu veux satisfaire ton public, hein, que ce soit ici ou au Cameroun, par exemple. Ouais, j'ai pas envie de mourir en tant que... J'ai pas envie de mourir comme un traître. Je vais trahir personne. Tu n'as trahi je vais même personne. Pas me trahir moi-même. Mm-hmm. Je reste fidèle au poste. Oui. Demande à l'assassin ouais. qui est le boss. Tu comptes partir faire une tournée au Cameroun ou pas? Dans les prochains jours, moi, j'en sais rien. Confidence et surprise. Et en passant, il y a un petit qui... Je vais big upper ce petit. Oui. Stanley Eno. Eh, père. Nous, on est au quad. On est hype. Big up, my man. Stanley. Ah. Il fait un tabac en ce moment d'ailleurs. Il a fait un buzz. Ouais, ouais, ouais. Il a fait un buzz. Un tabac, il est en première tête c'est déjà. Mal, ouais. Tout le Cameroun a décidé de se mobiliser ouais. pour faire de ce son un son international. Et moi, je contribue. Ouais. Parce que j'aime tout ce qui est beau. Moi, tout j'ai pas de complexe de supériorité, non. J'estime que tout être humain est boss. Mm-hmm. Bridget Princess is a boss. Yes. Best video. Is a boss. Yes. All my niggas, they're all bosses. Yeah. You know what I mean? C'est ça, on a dit unité oui. de boss. Ça veut dire c'est que des boss. Parce que tout le monde est un boss. Tout ouais. le monde est ouais. un boss. Et c'est l'état d'esprit qui reste dans la tête. Mm-hmm. Et Stanley Eno, he's a boss. Exactly. Welcome to unité de boss, Stanley. That's what it is. Oh, j'ai envie de dire, je flaire un featuring là. Mm-hmm. On va rien dire pour le moment. On ne va rien dire pour le moment. Mmh. Donc, nous sommes aujourd'hui là, de toute façon, pour ce magnifique duo que vous faites tous les deux. Prince Bridget et toi, pense à l'Afrique. Ne l'oublions pas. L'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de vous tous. Et un dernier mot. Un dernier mot de ma part. Voilà, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Oui. Que j'arrive. En force. J'espère que tout ce que je vais faire va vous plaire. Mmh. Et j'aimerais aussi m'adresser aux jeunes, aux vieux, justement par rapport à ce titre, Pense à l'Afrique, mm-hmm. à ceux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, partout, pensez à l'Afrique, n'oubliez pas que vous avez laissé des gens là-bas oui. et qu'ils ont besoin de vous. Et aussi ceux qui sont là-bas, ne perdez pas le courage, voilà, mm. faites le premier pas et le deuxième viendra. C'est vrai. Voilà. Tom, tu sais comment ça se passe, man. All the time, tout le temps, pense à l'Afrique. That's it. Ray. Pense à l'Afrique, toi qui es derrière le poste. Je penserai moi aussi à l'Afrique. C'est un beau message, je pense, qui va plaire à pas mal d'entre vous, j'en suis sûre. N'hésitez pas à courir dans les bacs dès le mois d'octobre. YouTube, Facebook, Bridget Princess, Bezli du Dehors, vous allez retrouver toutes les infos dont vous avez besoin et surtout, restez connectés. À très bientôt. Yeah.
more time, je reviens encore. Tout te dit que je suis trop fort, trop hardcore, sale que la mort. Je crache, j'ai veillé comme Hector. J'ai vu des gars forts rester en euros, passer le temps à crever en euros. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire, ils sont perdus à l'outre-mer. Si tu oublies d'où tu viens, rappelle-toi où tu vas. Si tu oublies où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Si t'as du bif, pense à la mif, pense à tes enfants, pense à l'Afrique, pense à ceux qui savent.